livre de Job. Take the book of Job. Chapitre 20, verset 15. À partir du verset 15. Chapter 20, from verse 15. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle aux sorties de ses entrailles. Il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. Notre combat, our battle, est un combat spirituel. Is a spiritual battle. Ce n'est pas contre les hommes. It is not against men. La chair et le sang. Flesh and blood. Mais c'est contre les esprits mauvais, les but méchants esprits. It is against wicked spirits, evil spirits. Qui existent dans le monde des ténèbres. Which exist in the world of darkness. Avec la complicité des sorciers. With the complicity of witches. Les sorciers sont comme leurs évangélistes. Witches are like the evangelists. Comme Jésus nous utilise. As Jesus uses pour annoncer l'évangile. To announce the gospel. Prier pour les malades, chasser les démons. Pray for the sick and cast out demons. Le diable utilise aussi les sorciers. The devil uses the witches. Pour mettre les démons. To put demons. Quand nous arrivons, nous chassons. Quand les sorciers arrivent, ils mettent. When we arrive, we cast them out. When the witches arrive, they put them inside. Donc il y a des familles dans lesquels les sorciers ont déjà, chaque membre presque a déjà été envoûté. There are families in which each member is almost enchanted. Les évangélistes du diable ont déjà travaillé. The evangelists of the devil already worked. Maintenant, quand nous arrivons, now when we arrive, c'est pour arracher. Is to snatch. Si tu trouves un champ, if you find a field avec des mauvaises herbes, with a bad weeds, tu as l'autorité pour arracher. You have the authority to uproot it. On prend les cheveux de quelqu'un, on enterre, tu fais sortir ça. They take the hair of someone, they bury it, you remove it. Tu commandes la vie. You command life. L'esprit de mort a été exposé hier par le Saint-Esprit. The spirit of death. Parce qu'il y a l'esprit d'un mort. Because there is a spirit of a dead, un homme qui est mort. It means someone who died. Il y a l'esprit de mort ou la mort. There is the spirit of dead. Quand il we vient, mean death. When it comes, il commence par les pieds généralement. It starts generally by feet. Si tu sens un grand froid qui part des pieds, qui monte vers ta poitrine. If you can feel a big cold going from your toes. S'il touche ton cœur. If it touches your heart. Tu commences à aller dans l'au-delà. You start going into death's area. Mais il a été exposé hier. But he was saved yesterday. Et nous allons continuer le combat ce soir. And we'll continue the battle today.
écoutez. Listen. Le Seigneur nous a révélé l'autre jour. The Lord revealed to us last day. Que quand vous priez contre les maris de nuit. When you are praying against the spiritual husbands. Vous libérez les âmes. Vous laissez toutes les robes, les chaussures avec le mari. Donc ça continue. Il continue à résister. You release the souls and you leave all the things that are used for marriage with them. So they continue resisting. Il faut tout prendre. You must take everything. Parce qu'ils n'ont rien. Le diable because n'a they have pas. Nothing. The devil has nothing. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Dis amen. Say amen. Ce soir-là, this même afternoon, ceux qui avaient toujours résisté sont tombés. All those who use it to resist fall down. Dans l'expérience, in the experience, on a remarqué que quand les enfants ont été prédestinés à devenir des sorciers, when children have been planned, foreplanned to become witches, le diable les oppresse quand ils croient. The devil oppresses them when they believe. Il espère qu'ils vont revenir. He hope they will come back. S'ils ne reviennent pas, when they don't come back, ils mettent les bouchées doubles pour le tuer. He double his strength to kill them. C'est ça qu'ils voulaient. C'est là que les esprits de mort ont voulu travailler. This is why the spirit of dead wants. Parce que ici là, c'est une séparation définitive avec la sorcellerie. Because here is a total separation with witchcraft. Mais Dieu a révélé. But God revealed it. Ils sont tombés. They fell. Dis, je suis un enfant de Dieu. Say, I am a child of God. Dis, c'est Dieu qui me garde. It is God who keep me safe. Donc même tu ne peux pas, frère, tu ne peux pas veiller sur toi-même. Yourself cannot take care of yourself. Personne sur cette terre ne peut veiller sur toi. No one on this earth cannot take care of yourself. La main de Jésus est sur toi. The hand of Jesus is upon you. Jésus a dit que personne ne peut nous arracher de sa main. Jesus said that no one can take us out from his hand. Je ne peux rien pour toi. I can do nothing for you. Jésus est tout pour nous tous. Jesus is everything for all of us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si je suis béni, if I am blessed, c'est parce que je fais tous les efforts humains. Because it is because I do all the human efforts. Pour te faire comprendre que c'est Jésus, ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est to make you understand c'est that de là que it is vient Jesus la bénédiction. And not me. Quand tu this te couches sur ton lit, tu n'es pas seul. This Jésus is where là, my blessing Jésus come from. When you are on your bed, you are not alone. Jesus is there. Même après Atikwa, Jésus sera avec toi. Even after Atikwa, Jesus will be with you. Vous voyez, si Jésus n'existait pas, if Jesus does not exist, après avoir fait tous ces bruits la nuit, le diable vient seulement tordre nos coups, c'est fini. After having done all this noise in the night, the devil will come and bend our legs. Mais nous dormons en ronflant. But we sleep very well. Aucun Satan ne vient nous tuer. None Satan come and kill us. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. It is not because it does not Jésus exist. Est là. Jesus is there. Et Jésus veut qu'on sache qu'il est là. And Jesus wants us to know that he is there. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que nous sommes bénis. That we are blessed. Nous sommes bénis. We are blessed. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que nous sommes les enfants de Dieu. That we are children of God. We are children of God. Dis, tous ceux qui ont volé nos biens. All people who stole our goods. S'ils les ont avalés. If they swallowed it. Ils vont les vomir. They will vomit them.
Sinon, c'est le feu qui va remplir leur ventre. Otherwise, it will be fire that will fill their stomach. Reprends à partir du verset 15. Diplôme volé, tout doit être remis. Stolen diploma, everything must be brought back. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. It's the work of God himself. Ça veut dire que nous sommes dans la volonté de Dieu. It means we are in the will of God. Dieu qui a créé l'estomac. God who created the belly. Va ordonner que ça repousse tout dehors. That they vomit everything. Pourquoi? Why? Parce qu'il nous exauce. Because he answers our prayers. Quand il est fâché, il laisse. When he's angry, he leaves us. On peut voler tout, on avale tout, il laisse. We can steal everything, swallow everything, he leaves it. Mais quand il répond à la prière de ses enfants. But when he replied to the prayers of his children. Il change. He changed. Écoute ce qu'il dit. Lis. Listen what he's saying. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné. Il rendra ce qu'il a gagné. He will give back what he gained. Et n'en profitera plus. Il n'en profitera plus. He won't benefit of it. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Il restituera tout ce qu'il a pris. He will restitute. Il n'en jouira plus. Continue. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons. Tu vois, vous voyez? Si. Il a ruiné les pauvres. He ruined poor. C'est le méchant. It's the wicked man. Tu déposes, il prend. You put it there, he takes. You put. Et les gens pensent que Dieu les a abandonnés. And people think God has abandoned them. Continue. Son avidité n'a point de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Lève ta main. Put up your hand. Vous voyez, c'est ça qui s'accomplit là. This is what la main de tous les misérables the hand of all the se lèvera contre lui. Will rise against him. C'est ça qui s'accomplit là. This is what is quand happening. Tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ça qu'il ne savait pas. This is what he didn't know. Il ne savait pas que en opprimant, les misères vont commencer à crier la délivrance. He didn't know that by while oppressing and oppressing, the miserable will put voilà, up, voilà les mains. Will cry out for deliverance. Dieu voit ses mains. God can see those hands. Dieu voit ses mains. God can see those et hands. Il entend les cris. And he hears the voice. Baissez les mains, continue. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. God will send on him the fire of his anger. Et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Dites amen. C'est amen. Il arrache de son corps le trait qui était celle aux sorties de ses entrailles. Et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Voilà. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité. Et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage. Tiens-toi debout. Stand up. Dis Seigneur. Say Lord. Nous sommes révoltés par ce que les visions nous révèlent. We are revolted by what the vision reveals to us. Nous sommes révoltés par ces histoires de diplômes volés, l'argent volé, les mariages volés, les papiers volés, la santé volée. Money, health. Dis Père. C'est Father. Nous sommes bénis. We are blessed. Par des paroles. By the words. Qui nous révèlent tes jugements. Which reveals to us your judgment. Contre tous ceux qui se sont comportés méchamment envers nous. Against all those who had
evil behavior contre against ces voleurs, ces voleurs, ces voleurs. Against these thieves, thieves. Ces paroles nous donnent la joie et la vie. This word give us life and joy. Dis en ton nom, nous levons nos mains. Say no, on your behalf, we put contre up our le hands. Dévoreur, le destructeur, le voleur. So that the devourer, the destructor. Dis, agis maintenant. Walk now. 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 Que tout soit vomi. Let everything be vomited. Comme tu l'as prévu, que tout soit vomi, tout as soit vomi. As you planned it, let everything be vomited. Où qu'il soit, d'où qu'il soit, d'où qu'il where soit, que soit vomi, vomi, is, vomi, wherever, vomi. Wherever it is, wherever it is. Dis Père. Say Father. Tu as dit que tu les feras sortir de son ventre. You said you will remove them from his belly. Que tout soit libéré, que tout soit libéré. Release everything, release everything, release everything. Toutes les richesses, toutes les all richesses, the riches, all toutes the les riches, bénédictions, toutes les bénédictions, all the blessings, toutes les bénédictions, toutes les bénédictions. All the blessings, all the blessings. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Que tout soit vomi, que tout soit vomi, let que tout soit vomi. Let everything be vomited, be vomited. Qu'il n'y ait aucune résistance. We want no resistance. Que ton feu make your fire descende même dans les abîmes. Down in the habits. Qu'il descende dans les entrailles. Let it go down to the habits. Que toute richesse avalée soit extirpée devant. May all riches swallowed be removed. Continue à prier. Keep on praying. Dieu au nom de Jésus. Que rien ne soit retenu, que rien ne soit retenu, que rien ne soit retenu, que rien ne soit retenu. Dis que tout soit libéré, que tout soit libéré, tout soit libéré, tout soit libéré, tout soit libéré, tout soit libéré. Dis au nom de Jésus, avec les déblocages au niveau physique, we want this blocage avec des déblocages concrets au niveau physique, we want physical this blocage. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Dieu au nom de Jésus, avec des restaurations de la santé physique de chaque frère. Physical restoration of each brother. Santé physique, santé physique, santé physique. Physical health, physical health. Comme fruit de d'un désenfoutement. Of disenchantment. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Dis nous insistons. Say we insist. Avec des déblocages complets, complets, complets. We complete this blockage. Au nom de Jésus. In the name of avec Jesus. La restauration de la santé physique de with chacun. Restoration of physical health. Au nom of de Jésus Christ. Brother, avec des promotions libérées. With promotion free. Au nom de Jésus Christ. Continue à prier. Keep on praying. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Avec des libérations concrètes des emplois. With release au nom of de Jésus. In the name continue of Jesus. À prier. Keep on praying.
Dieu au nom de Jésus, nous jugeons toute pauvreté qui tient ses racines dans les enfoutements, dans les pratiques méchantes, humaines. Continue à prier. Lève ta main droite. Dieu au nom de Jésus, nous libérons tous les projets qui ont été bloqués par la sorcellerie. Tous les projets de la famille, même s'ils n'ont pas encore cru, dit Satan. Même si mes parents n'ont pas encore cru, Even if our parents have not believed yet, je demande pour eux la bénédiction divine. I ask for them the divine blessing. Et je sais qu'ils vont croire. And I know they will believe. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Because it's written, believe into the Lord Jesus, will be saved, you and your family. Moi, je te chasse. Me, I cast you out. Parce que je suis sacrificateur. Because I'm priest. Je me tiens devant Dieu pour chaque membre de la famille. I stand before God for every member of my family. Je renverse. I overthrow. Tout ce que les hommes ont bâti par des paroles méchantes. All that human built by wicked words. Je détruis la malédiction humaine. I destroy human curse. Je détruis la malédiction humaine. I destroy human curse. Je détruis la malédiction humaine. I destroy human curse. Je libère tout ce qui était captif. I release all those who were captive. Je libère tout ce qui était tenu captif. I release all those who were captive. Par ces paroles démoniaques. Through this demonic word. Je brise les liens. I break the ties. Je rompe les chaînes. I break the chains. Je proclame la liberté de chaque membre. I proclaim the freedom of each member. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. I proclaim the freedom. I proclaim the freedom. I proclaim the freedom. Je proclame la liberté. I proclaim the freedom. Je proclame la liberté. I proclaim the freedom. I proclaim the freedom. Lève ta main droite. Put up your hand. Dieu, au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'arrache tous les membres de ma famille. I snatch all the members of my family. Qui ont été envoûtés. Who was enchanted. Par ruse. By ruse. Par mensonge. By liars. Envoûtés par ruse et par mensonge. Envoûtés par ruse et par mensonge. Enchanted through liars. Et qui sont actifs sans savoir. And who are active without knowing. Je les arrache. I snatch them from et je les amène à Jésus. Je les amène à Jésus. And I send them to Jesus. Ils ne serviront plus les démons. They will serve him. Ils ne serviront plus le diable. They will no more serve. Je proclame le nom de Jésus. I proclaim. Je proclame le nom de Jésus. I proclaim the name of Jesus. Sur chacun, sur chacun, sur chacun. On each one. Sur chacun, sur chacun, sur chacun. On each one, on each one. Maintenant proclame, dis, tel appartient à Jésus, tel appartient à Jésus. Now proclaim, say, this one belong to Jesus. This one belong to Jesus. Nous arrachons, je proclame. Écoutez. Listen. Lis pour nous le psaume 60. Read for us Psalm 60. Lis le psaume 60. À partir read Psalm 60. 1. Au chef des chantres. Écoutez. Sur les lyriques. Hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as breuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité.
afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sors par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Écoutez. Listen. Le prophète était en train d'intercéder. The prophet was praying, interceding. Parce qu'ils avaient connu une grande défaite. Because they had a big defeat. Et il a dit au verset 5, tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvé d'un vin d'étourdissement. Et Dieu se lève et dit. And God stand up and say, Dieu a dit dans sa sainteté. God said in his holiness, je triompherai. Je partagerai ce chime. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm et le rempart de ma tête. Et Juda, mon sceptre. Moab et le bassin d'où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Alléluia. Amen. Ici, here, Dieu déclare God declares que toutes ces nations-là sont à lui. That all those nations are his. Il dit, quand il va finir de travailler, il va aller, il demande aux Philistins de chanter des louanges pour lui. C'est-à-dire les ennemis. Il dit aux ennemis de chanter. To sing praises for him. Il dit, Moab, il va se laver à Moab. C'est-à-dire, tu dis à ton Moab ennemi que je prends le bain chez toi. You tell your enemy that I will go and wash myself. Hallelujah. In your house. Il dit, Galat, c'est pour moi. He said, Galat, it's for me. Dis que mon grand frère, si à Jésus. Ma grande sœur, my junior, my senior. Mon père à brother, Jésus. Brother, sister. Mes oncles, tous ces gens Jesus. Que le diable utilise là. Prends-les. All people are using par against une you. Take them. Proclamation prophétique. Lis encore à partir de Dieu dit dans sa sainteté. Dieu a dit dans sa sainteté. Je triompherai. Je triompherai. I will overcome. Je partagerai Sichem. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Il veut dire, juste dire que je vais écraser les ennemis. He just wanted to say, I will crush down my enemies. Continue. À moi Galad. À moi Galad. To me Galad. À moi Manassé. À moi Manassé. To me Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête. Est le rempart de ma tête. Et Juda, mon sceptre. Judas, mon sceptre. And Judah is my soul. Moab est le bassin où je me lave. Moab est le bassin où je me lave. Les Moabites là. Moab is the place I wash myself. Quand quelqu'un te dit, je veux me laver chez toi. When someone tells you, I will go and wash myself in your house. Si c'est ton adversaire, c'est qu'il te dit, tu es mort, j'arrive. If it is your adversary, he wants to tell you that you are dead. C'est comme ça que notre Seigneur, c'est comme ça que notre Dieu combat. This is how Continue. Our God fight. Je jette mon soulier sur Edom. Je jette mon soulier sur Edom. I ennemi. Throw my shoe on Edom, an enemy. Quand si Jésus te dit, je jette mes souliers, c'est fini. Si tu es If mort, Jesus tells fini. You, I throw my shoes at your house. It means it's finished for you. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Et les Philistins. And Philistines. Tu dis à ton ennemi. You tell your enemy. Chante-moi des chants de gloire. Sing ça veut dire que quoi? Il doit comprendre que qu'est-ce qui lui est arrivé. What should he understand? Le bonheur. Happiness. Ce n'est pas n'importe quelle défaite, hein. C'est grave. It's a big defeat. Que ton ennemi arrive et te dit que vous là, qu'est-ce que vous attendez pour chanter ma victoire? It's very, very bad that your enemy is coming and tell you, what are you waiting to sing my presence? Vous voyez comment Dieu manifeste sa force. You see how God shows his strength. Prends ta famille, tu donnes à Jésus. Take your family and give it to Jesus.
Si ton village s'appelle par exemple Arikoka, dis Arikoka et à moi, je donne à Jésus. If your village name is for instance called Arikoka, say Arikoka is for me and I give it to Jesus. Je donne à Jésus. Abobo m'appartient, je donne à Jésus. And I give to Jesus. Abobo is mine and I give it to Jesus. Proclamons, crois. Take time and personne ne te trompe, c'est ça qu'on appelle la foi. And believe. Si le combat n'a pas une dimension prophétique, il est faible. If a battle has not a prophetic level, it's very weak. Prends. Take. Donne à Jésus. And give to Jesus. Vous voyez comment il se lamentait. Verset 1. Écoutez d'abord comment il se lamente parce qu'ils ont perdu. Listen first how they were mourning because they failed, they lost. Au chef des chantres, sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés. Tu nous as repoussés. Dispersés. Il est malheureux. Tu nous as dispersés. You scattered us. Continue. Tu t'es irrité. Il sait que Dieu n'était pas content. He knew God was not happy. Relève-nous. Il intercède. Now he's interceding. Say, rise that up. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Ça, c'est l'intercession. Il veut dire, Dieu, restaure-nous. He wanted to tell God, restore us. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Il dit, nous venons de voir des choses dures. Les un peuple de Dieu qui échoue dans une bataille. He said, we have faced very hard things, a people of God who fail into a battle. Tu nous as abreuvé d'un verre de tourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Il rappelle à Dieu les desseins éternels. He is now recalling to God all his eternal purposes. Oui. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve à ta droite et exauce-nous. Et il intercède maintenant, il importune Dieu. Now he is interceding, he is pestering God. Dieu a dit dans sa sainteté. Et le Saint-Esprit parle. Now the Holy Spirit is speaking. Je triompherai. Je triompherai. I will overcome. Je partagerai Sichem. Je partagerai Sichem. I will share Sichem. Et c'est ça que nous devons faire. This is what we must do. Ne laissons pas l'ennemi se réjouir. Let not the enemy rejoice. Prenons nos familles. Let's take our families. D'une façon prophétique. In a prophetic way. Déposons-les devant Jésus. And put them before Jesus. Vous verrez la qualité de conversion va vous réjouir. You'll see that the quality of the conversion will rejoice your heart. Certains vont abandonner la vraie sorcellerie. Some will abandon the true witchcraft. En expliquant. By explaining c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça. That I am the one who did this, I am the one who did that. Que j'arrête. And I stop. Les gens vont abandonner l'ivrognerie. People will abandon drink. Ça, tu vas même douter. You will even doubt. Il faudra beaucoup de grâce pour que tu croies. You need lot of grace to believe. Les femmes vont abandonner la prostitution. Ladies, women will stop prostitution. Les lesbiennes vont se convertir. Lesbianists will get converted. Les homosexuels, même si c'était envoûté. Even if they parce que le salut sera accompagné de grandes délivrances. Because salvation will be followed by great deliverances. Il y aura des moyens financiers. They will have financial means. Le voleur sera, the thief sera détruit. Will be destroyed. Éventré. With his stomach open. Les richesses que nous voyons en vision qui sont libérées là vont se matérialiser. The riches that we see into the vision will come to in our hands. Prends seulement, tu donnes. Just take and give. Commence par les plus durs. Start by the hard, the most hard. Saisis-les, tu donnes à Jésus. You take them and you give them to Jesus. Saisis ta belle famille, tu donnes à Jésus. You take your family in law and you give it to Jesus. Si Dieu t'a donné un ami. If God gave you a friend. Quelqu'un qui peut être utile. Qui peut être utile. Someone who can be useful to you. Et que le diable détruit. And the devil. Arrache-le. Snatch him up. Il te sera très utile. He will be useful to you. Paul a dit à Philémon, je te renvoie Onésime. Onésime. Paul told Philemon,
I'm sending you Onesim. S'il a été inutile autrefois, il te sera utile maintenant. If he was useless in the past, now he will be useful Dieu. To you. Au nom de Jésus. Je proclame. I proclaim. Non, chacun prie. Each one pray on his side. Je vais dire des noms, je vais enlever le micro pour que mes noms n'influencent pas vos noms. Prends ton père, tu mets dans ta mère, tu mets tes cousins. Take your father, your cousins. Tu les arraches d'abord. You donne à Jésus, ça va s'accomplir. From the hand of the evil and c'est ça qu'on appelle la foi. This is what is called faith. Tu honores Jésus. Jesus, je brise les portes. I break the doors. De résistance à l'évangile. Of resistance to the gospel. Je brise les portes. I break the doors. De résistance à l'évangile. To the gospel. Je brise la rébellion. I break rebellion. Contre le nom de Jésus. Against the name of Jesus. Je brise la rébellion. I break rebellion. Contre le nom de Jésus. Against the name of Jesus. Oh, continue à prier. Keep on praying. Dis, je prends tous les enfants qui vont naître, je tourne à Jésus. I take all the children who will be born and je I give them tous to ceux Jesus. Qui sont déjà nés, je tourne à Jésus. I take all those who are already born and I je give them to Jesus. Je prends ceux qui vont naître, je tourne à Jésus. I take all that will be born and I give them to Jesus. Continue à intercéder. Keep on praying. Des mains des faux prophètes. Out of the hand of false prophets. Et je les donne à Jésus. And I give them to Jesus. Continue à prier. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. D'un commun accord. In a common agreement. Nous renversons. We overthrow. Toute puissance étrangère. Any foreign power. Qui tentera de se tenir sur notre chemin. We will try to stand on our way. Nous renversons. We overthrow. Nous brisons leurs engins. We break the tools. Qu'ils soient traités comme les Égyptiens dans la mer Rouge. Let them be treated as Egyptians in the Red Sea. Que tout ce qu'ils utilisent soit détruit. We destroy all that they use. Tout ce sur quoi ils comptent soit ruiné. We ruin all on which they count. Au nom de Dieu. In the name of Jesus. Continue à prier. Keep on praying. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous dispersons ceux qui se sont rassemblés. We scattered all those who are gathered. Pour tenter de résister. To try to resist. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Qu'ils soient dispersés. We scatter them. Qu'il y ait la confusion au milieu d'eux. We put confusion in the midst. Que leurs langues soient divisées. We divide the tongues. Que leur puissance soit bannie anéanti. We banish and destroy the power. Banish and destroy. Maintenant, now, parle à ton père. Talk to your father. Comme le prophète, comme le psalmiste a fait. As the psalmist did. Dis-lui que père. Tell him, Dad. Mets fin. Put an hand. Mets fin à ma misère. Put an hand to my misery. Ça n'a rien à voir avec les démons. C'est ce qu'il doit te donner lui-même, tant que ton père. Nothing to say with demon. This is what his he, as your father, can give you. Tu m'as fait passer des temps difficiles. You ask him. You made me go through hard times.
Dis-lui que j'attends un enfant depuis 10 ans. Tell him I'm waiting for a child since years, 10 years. Toi, tu peux battre tous mes ennemis. You can fight and overcome any enemy. Pourquoi as-tu attendu jusqu'à ce jour? Why did you wait till today? Abraham a dit à Dieu, j'ai vieilli. Abraham told sans héritier. God, I am getting old without an heir. Il dit, si je meurs maintenant, c'est un autre qui sera mon héritier. He said, if I die now, it's another one who will become my heir. Dis à Dieu, je vieillis sans mari. Tell God, I am getting old without a husband. C'est ton père. He is your father. Dis-lui, je prends de l'âge sans une situation stable. I am growing old without a stable situation. Dis, souviens-toi de tes promesses. Tell him, remember your promises. Dis au Père, say, oh, Father, souviens-toi, remember de tes promesses. Your promises. Dieu, père, Karamasere. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Le Seigneur peut te dire quelque chose. The Lord can tell you something. Il peut dire, he can tell you, je t'ai exaucé. Have answered your prayer. Et il peut décider de détruire tes ennemis. Decide to destroy your enemies. Il peut décider. He can decide. D'allumer le feu dans le ventre de ceux qui t'ont avalé. To go and put fire tes bénédictions. Into the belly of those who swallowed your blessings. Tu peux être assis là et le travail se passe dans ton village. You can be sitting here and the work is being done in your village. Il peut te délivrer d'un démon qui t'habite depuis. He can deliver you from a demon which dwells in you for long. Tu ne savais pas. You didn't know. C'est un temps de grâce. It's a time for grace. C'est un temps de grâce. It's a time for grace. C'est un temps de faveur. It's a time of favor.
Quand le Seigneur décide d'agir pour son nom, when the Lord pour sa gloire, to work for his name, for his glory. Que tout esprit étranger, all foreign spirits, soit renversé, s'en aille. We overthrow any foreign spirit. Tu sais comment tu es venu. You know how you came. Tu sais comment tu dois partir. You know how you must leave. Tu sais. You know it. Va-t'en vite. Go away quickly. En partant, tu ne voles rien. While leaving, you don't steal anything. Tu vas partir pour errer. You will go and wander. Tu ne suis personne. You follow no one. Taille tes œuvres en pièces. We cut your works into pieces. Taille tes œuvres en pièces. We cut your works into pieces. Esprit méchant. Wicked spirit. Sors et va-t'en. Go away. D'abord manifeste-toi pour ne pas perdre le temps. First, for us to not waste our time, show yourself. Et sors. And go out. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Brisons toute œuvre malsaine. We break any unclean works. Dispersons les armées démoniaques. We scattered demonic armies. Que tout esprit derrière une maladie. Any spirit behind a sickness. Même si c'est ce que les gens appellent petite maladie. Even it is called a small sickness. Si tu es venu pour rendre quelqu'un malade. If you have come to make someone sick. Tu es jugé. You are judged. Si tu es venu. If you have come. Même pour simuler une maladie. Even if to show, to let imagine a sickness. Et quand on va à l'hôpital, on ne voit rien, mais tu es là. And we go to hospital, we cannot find the sickness. Tu produis but des you signes, are still there. Tu produis des symptômes. You produce symptoms. Tu es jugé. You are judged. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away quickly. Va-t'en vite. Go away.
quickly. Et ne reviens plus. And don't come again. J'insiste. We insist. Tout esprit. Any spirit. Qui simule une maladie. Who do like a sickness? Who does like a sickness? Je brise le lien. We break the tie. Qui te donne cette autorité. Which gives you this authority. Soyez concentré. Be focused. Pas passif. Concentré veut dire que tu es avec nous dans la prière. It means you are with us in the prayer, but you are not talking. Le Seigneur est en train de travailler. The Lord is working. Un peu de distraction. Il va se cacher. If there is a small distraction, he will hide. Si tu es un esprit de blocage, if you are a spirit of blockage, que tu te tiens sur le chemin de quelqu'un, and you are on the way of someone, tu es renversé. We overthrow you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Tout esprit qui se tient sur la route. Any spirit standing on the way. Pour détruire. To destroy. Pour frustrer. To frustrate. Pour voler. To steal. Va-t'en vite. Go away quickly. Si tu es un esprit qui vient des eaux. If you are a spirit which comes from waters. Des eaux. From waters. Va-t'en! Go! Tout esprit qui vient des eaux. Any spirit coming from waters. Tout esprit qui vient des eaux. Any spirit coming from waters. Tout esprit qui vient des eaux. Any spirit coming from waters. Tout esprit qui vient des eaux. Any spirit coming from waters. Tu es jugé. You are charged. Tu es jugé. You are charged. Tu es déraciné. You are uprooted. Tu es renvoyé à vide. You are sent away. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis que la bénédiction du Seigneur soit sur moi. Say, may the blessing of the Lord be on me. Dis que tout ce qui porte mon nom. Say, all that bears my name. Dans le camp de Satan. In the camp of Satan. Soit brûlé. Must be burnt. Dis que tout ce qui s'appelle envoûtement. Say all that is called enchantment. Soit banni. Be punished. Dis que tout envoûtement soit banni. Say may all enchantment be banished. Même si c'était par des sacrifices. Even if it was through sacrifices. Que le lien avec ces sacrifices soit brisé. May the tie with all the sacrifices be broken.
dit d'un commun accord. C'est in a common agreement. Nous jugeons toute résistance. All resistances. Et nous renversons l'œuvre de Satan. And we overthrow the work of Satan. Nous détruisons. We destroy. Tout ce que Satan a fabriqué. All that Satan made. Car le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. For the Son of God came to destroy the works of the devil. Tu peux enlever les mains de ta tête. You can remove your hand from your head. Tu restes concentré. Remain focused. Divinité de mari de nuit. C'est divinity of spiritual husband. Tu es condamné. You are condemned. Parce que tu voles la gloire de Dieu. Because you steal the glory of God. Nous t'arrachons toutes les femmes que tu as bloquées. We take all the ladies that you blocked. Nous enlevons tout ce qui leur appartient. We remove all that belong to them. Qui symbolise leur vie de mariage. Which symbolize the life of marriage. Toutes les robes, toutes les chaussures, tous les voiles, tous les ornements, all the ornaments, les alliances, tout. Nous récupérons tout. We take everything. Et nous ordonnons des célébrations solennelles de mariages glorieux. We command celebration of glorious marriages. Selon les desseins de Dieu. According to the purposes of God. Va-t'en maintenant. Go away now. Sors et va-t'en. Go out, go out. Get out and go. Get out and go. Gardons le calme. Keep quiet, please. Vous voyez que quand tu jettes les souliers, avant même ton arrivée, l'ennemi fuit. You see, when you throw the shoes before your arrival, the enemy flees. Qui a un témoignage? Who has a testimony? Lève la main. Put up your hand. Nous pouvons écouter 5 témoignages. We can listen to 5 testimonies. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Soulama Fatou. Le Seigneur vient de me délivrer de la sorcellerie. Je vais bénir le nom du Seigneur. Avant, cet esprit va partir à commencer à m'insulter. En qui l'a déposé vient à moi. Le Seigneur m'a délivré de cette sorcellerie. Amen. Je vais lui dire merci. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la Guadio Emmanuel Béni, mon fils et d'ici, papa Amélie Boniface. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a guéri des maux de voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je me nomme Kouachi Thérèse. J'ai pour fils le pasteur Ézéchiel. Quoi, Ézéchiel? Il faut dire que tout à l'heure, au moment où le pasteur disait que tout ce que l'ennemi a avalé, qu'il vomit, et effectivement, j'ai commencé à avoir la nausée.
Et il faut dire, après, l'équipe de sécurité m'a amené chez l'équipe de délivrance. Et arrivé là-bas, l'esprit s'est manifesté. L'esprit a dit qu'il est mon père. Et qu'il y a longtemps, il m'a marié, qu'il est en moi. Et qu'il a tout pris. Il a pris mon mariage, mon utérus, tout. Et ils ont chassé. Ils l'ont chassé. Suivant. Ils l'ont chassé. Et il dit qu'il me redonne tout. Acclamation. Gloire à Dieu. Moi, je me nomme Yao Pacom. Le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure dans l'envoûtement des sorcelleries. Quand on priait, quand le papa dit de prier, quand on priait, j'ai vu une vision dans la sorcellerie où, quand on était petit enfant, ma grand-mère m'a envoûté avec la nourriture à la sorcellerie. Je veux dire merci à Dieu de cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation. Clap. Avec des cris de joie. Richard.